que pour le premier vers, il y a un seul mot qui cause un petit problème, c'est le mot comme. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'une voyelle. Donc, on va le compter comme une seule syllabe. On ne va pas dire comme, non, comme un vol de girafe, etc. Alors, continue, Moussaïd. Maintenant, la mesure rythmique, l'accentuation. L'accentuation, le premier, c'est après le faux. Après le faux. Et le dernier, c'est après Nathan. Tal. Après. La césure. Ensuite, ici, on a commun. Ce que j'ai compté, c'est 2-3 pour la première partie et 3-3 pour la deuxième. Très bien. Alors ici, vous avez une conjonction, d'accord, de subordination comme, et vous avez un nom. Le nom, c'est Non. le vol. Qui est le mot le plus fort? C'est ce que je Un commence. déterminant. Un commun vol. C'est trois après vol. Oui, c'est vol qui va prendre l'accent. Vol, nuit, Vol. mobile, Comme mobile, un mobile, c'est vol bon. de Gerfaut. Regardez, comme un vol de Gerfaut, d'accord? Ça, c'est le nom le plus fort que la conjonction de subordination. Donc, il va prendre l'accent mobile. Alors maintenant, ici, Oh. alors, je te laisse Moussaïd, choisir le mot qui va porter l'accent. Donc on a vol comme un vol de Gerfou. Oui. Et puis or. Il reste juste or et charnier. D'accord. Qui va Or prendre de l'accent? Est-ce que charnier. oui, selon Charnier. la règle, Charnier, c'est charnier, charnier. d'accord. Charnier qui va. Charnier, tout simplement. Bon, le nier. Et on va avoir Trois 3 contre 3. et 4, 2. C'est bon? D'accord. Merci, Mais alors le merci, deuxième vers, fatigué de porter leur misère hautaine. je peux le faire. Oui. Monsieur, je peux le faire. D'abord Aziza et après on va donner à Amine. Allez. Fatigué. Allez-y. Oui. Fatigué de porter Oui. leur misère hautaine. La césure entre T et Alors, leur. pour misère, qu'est-ce que tu as mis? Leur mi. Leur misère. Zéro. Misère. Très bien. Oui. D'accord. Comme ça, comme je l'ai fait maintenant, n'est-ce pas? Tu vois? Non. Comment? Zéro. Très bien. Zéro. O O. ten, o O. ten. Très bien. Alors, La O. césure entre portée et leur. T et leur. Alors les accents Pour fixes, c'est clair. l'accent fixe T et re. Non, et ten. Ten, oui. Alors les Ten. accents mobiles. Fatigué de porter gay Très bien. sur deux et l'autre sur leur misère re sur re Très bien. hautaine. Alors, re ici, c'est un E qui est compté, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Elle Oui. est comptée. Alors, la règle, c'est quoi? Si le E est compté, l'accent va être antéposé. On va mettre l'accent sur l'avant-dernière syllabe. D'accord, C'est ça la règle. fatigué. Mais si nous avons un E qui n'est pas compté, alors à ce moment-là, la syllabe va porter l'accent. Comme on va voir tout à l'heure un exemple. Alors, l'accent va être ici. Alors, faites attention à cela. Alors, je rappelle, là, vous avez un E qui est compté. Voilà, c'est en vert, il est compté. Pourquoi il est compté? Parce qu'il est suivi d'une D'une consonne. consonne. Donc, concernant l'accentuation, la mesure rythmique, l'accent va être déplacé, va être antéposé, va être mis, l'accent va être mis sur l'avant-dernière syllabe. Et D'accord. on aura trois, voilà, c'est comme ça, Trois. trois, trois. Trois, trois. La césure, n'oublie pas la césure, et 3, voilà. Trois. Et 3. Très bien, c'est bon.
Alors, allez-y, Amin Wassim. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Donc, deux, pas. Oui. L'eau. Oui. Deux, mon, gueur, routier, routier. Alors, tu vas considérer routier en une seule syllabe ou quoi? Non, routier. Routier. Oui, et continue. Ré, le et. Je compte et, ET avec R, non monsieur? Je ne sais pas, à toi de voir, d'accord. Routier et ré. Très bien. Capitaine. Capitaine. Très bien. Alors, comptez maintenant. À la fin, ne se compte pas. Très bien, voilà. Parce qu'on a une consonne S. Alors, comptez combien vous avez? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Non, c'est 13. Alors, laissez-la, s'il vous plaît. Alors, il y a, tu as raté juste une syllabe. Essaye de revoir. Très bien, routier. Routier, c'est bon. Alors, routier. Oui. Si, routier, par exemple, Wassim, si, par exemple, nous avons compté, nous avons trouvé, vous avez fait bien sûr le découpage syllabique, vous avez trouvé juste 11 syllabes. À ce moment-là, vous allez séparer. Oui. Séparer les deux voyelles pour avoir une diérèse. D'accord. Maintenant, vous allez se prononcer comme une sinérèse. Très bien. Maintenant, les accents. Alors, l'accent fixe, c'est clair. C'est gueur. Voilà, c'est après, toujours après la sixième syllabe. La sixième. Voilà, c'est gueur. Éteigne. Éteigne. Très bien. Alors, les accents fixes. Les accents, pardon, mobiles. De palo, palo. L'eau, très bien, l'eau. Alors, palo. Et rôtier, je ne sais pas. Oui, c'est rôtier, c'est l'accent, d'accord, de manière générale, je te rappelle. C'est tier, monsieur. C'est tier, oui. De manière générale, l'accent porte sur la dernière syllabe. Sauf, oui. Sauf, alors, je zoome ici, regardez, sauf ici. Voilà. Sauf ici, pourquoi? L'accent ne tombe pas sur la dernière syllabe parce que nous avons un E qui est compté. Oui. Elle sera donc antéposée, déplacée à l'avant-dernière syllabe. Oui, monsieur. Très bien. Alors, c'est bon. Alors, nous aurons trois, je pense. Oui, trois. Et deux, quatre. Oui. Bien, le dernier vers. Monsieur, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, Asma, allez-y. Alors, si on a le même mot routier dans un vers qu'on a fait le découpage syllabique, oui. Et on a trouvé 11 syllabes. Oui. Et on a le mot, par exemple, routier. Oui. On va faire avec la tierèse et la voilà. Minérèse. Oui. On va faire comme ça. Routier. D'accord. Si on a. On va compter avec I, T et R, A. Très bien. Voilà. On va compter les deux voyelles, tout simplement. Parce que dans la sinérèse, qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a fait? On a lu les deux voyelles, à savoir le I. Voilà. Alors, je zoome un petit peu. Le I et le E en une seule syllabe. Comme ça va nous donner routier. Dans le cas où vous avez juste en syllabe, vous allez chercher dans le vers, là où il y a deux voyelles, et vous allez tout simplement les séparer. D'accord? C'est-à-dire, vous allez les lire en syllabe. D'accord? Et comme ça, vous aurez le compte de 12 syllabes. Le compte sera bon. Merci. Très bien, le dernier vers. Je peux le faire? Quelqu'un d'autre qui n'a pas... Monsieur, je peux? Allez-y, Sarah. Par
Day. Oui. Yves. Re. Dans. Rêve. Hey. Rouic. Continue. Hey. Brutal. Très bien, alors comptez. Douze. J'ai compté moi juste. C'est I, V, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Rêve. Donc d'un rêve. Alors, rêve, c'est bon, rêve. Parce que ici, il est suivi d'une voyelle. H. Alors là, c'est bien, d'accord. Ivre, on va prononcer le E parce qu'il est suivi d'une consonne. C'est bon, il n'y a pas de problème. Alors là où tu as 11 syllabes, tu vas procéder à la règle dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous allez chercher une diérèse. Vous cherchez une diérèse et vous les séparez. Héroïque. Héroïque, d'accord. Mais alors, on va voir comme ça. Héroïque, d'accord. Et comme ça, le compte est bon. Très bien, maintenant, les entrées. Rome, très bien. Les accents. Alors, vous avez les accents fixes. Continue. L'autre on a accent. Les accents fixes. Oui. Ivre d'un rêve, voilà. Alors maintenant, les accents mobiles. T. Très bien, voilà, T, le verbe. Déjà, d'autant plus, c'est le verbe, il est fort. Ensuite, vous avez une ponctuation. C'est ça, le rythme par T. Ivre d'un rêve. Alors voilà, c'est 2, 4. Alors là, il reste maintenant. Alors, reste Tal. Tal, c'est bon, c'est fixe. Reste. Oui. C'est héroïque, d'accord. L'axe. Héroïque, oui. D'accord. Sauf que ici, regardez, vous avez la dernière syllabe qui n'est pas prononcée. Héroïque. Oui. On dit que. Donc, cette syllabe va porter l'accent. Et comparer cette syllabe, d'accord, qui porte l'accent, avec celle dont on a parlé tout à l'heure ici, dans misère, voilà, le E ici qui est prononcé, et l'accent est antéposé sur la dernière syllabe. Mais ici, non. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'une voyelle, il n'est pas prononcé, donc il va porter l'accent. C'est bon? C'est ça les règles auquel il faut faire attention dans l'accentuation, surtout l'accent métrique. Très bien, ça c'est pour la preuve. Le reste des rimes, c'est facile, d'accord? C'est un jeu d'enfant. On ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. On passe maintenant aux autres questions. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Bon, on arrête l'enregistrement de la